Hello, bonjour. Je vais parler de l'anniversaire du prince William. Le duc de fête ses 40 ans. 40 ans qui est un âge assez important dans la vie de toute personne. C'est un moment de remise en question. Donc tout d'abord, on va lui souhaiter un très bon anniversaire. Donc peu importe ce qu'on pense de lui, on lui souhaite quand même un bon anniversaire. Je sais qu'il y a des fans du prince William sur cette chaîne. Et donc je voulais faire cette vidéo pour eux. Je vais m'abstenir de donner mon opinion par rapport à lui. Mais vous êtes au courant de ce que je pense. Donc bon anniversaire le prince William. Comme je le dis, 40 ans, 40 années. Le temps passe tellement vite. Hein. On se souvient de quand il était petit aux côtés de Diana. Et c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas là pour voir ses deux fils d'ailleurs grandir et de voir comment ils sont avec leur famille. Elle serait bien sûr désespérée de la situation entre les deux frères, mais bon, on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire du prince William. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la famille royale a souhaité un bon anniversaire à celui-ci. Et depuis au moins 2 jours, on a des photos qui sont distribuées aux médias, qui montrent prince William avec ses enfants et aussi le prince William faisant une bonne action en vendant, distribuant des journaux pour les personnes sans abri, même si c'est un geste controversé. Bon, si vous voulez savoir pourquoi, j'ai mis une autre vidéo sur notre chaîne. Voilà, donc oui, le prince William a 40 ans, 40 longues années, le temps passe vite. On dit qu'il est en train de se préparer à devenir roi, même si son père sera roi avant lui. Et certains des commentateurs royaux s'accordent à dire que le prince Charles sera bientôt roi et va régner au moins pendant 20. Et qu'on ne verra que le prince William sur le trône à ses 60 ans. On ne sait jamais, la vie est assez étrange et on souhaite de toute façon que le bonheur à ce dernier. Si vous êtes fan du prince William, souhaitez-lui une bonne année. Pour les autres qui ne le sont pas, ben, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, comme je disais, c'est le moment des 40 ans du prince et c'est le moment de se remettre en question. En tout cas, la plupart des personnes qui ont atteint cet âge se remettent en question et je crois qu'il faut qu'il fasse la part des choses, si je devais donner mon conseil, et qu'il soit un peu moins intransigeant et moins injuste envers, bien sûr, son frère, le prince Harry. Je crois que s'il doit travailler sur quelque chose, c'est sur cette chose-là qu'il doit travailler parce que personnellement, c'était un échec et sa mère, Diana, serait très très déçue quand ton grand frère, il n'est pas réussi à se rapprocher de son frère et écarter tous les sbires et tous les gens autour de lui qui ne créent que des problèmes. Ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.